Jeudi 14 novembre, ben oui, nous sommes en direct sur le plateau de la quotidienne de LCN, comme tous les soirs à 18h15 jusqu'à 19h15 du lundi au vendredi. Il est 18h33, c'est le moment de retrouver l'actu, l'info du jour avec Stéphanie Jus. Ce jeudi matin, dans plusieurs communes de Haute-Normandie, de nombreux enseignants et élus ont manifesté contre la réforme des rythmes scolaires. Certains syndicats demandent une réécriture du décret, tandis que d'autres souhaitent son abrogation. Mais tous se mobilisent pour la même raison, la réussite des élèves. Réaction des manifestants au micro de Maïly Château. On voit bien, c'est une réalité, hein, que d'une municipalité à l'autre, les conditions de mise en place de cette réforme sont extrêmement différentes. On a tout et n'importe quoi. On a dans certaines villes des enfants qui vivent des choses superbes et d'autres qui font tant calme sous la pluie et tant calme sous le préau. Désorganisation totale des rythmes tout à fait dans les villes qui ont appliqué la semaine de 4 jours et demi. Un exemple à eux où les enfants ne s'y retrouvent pas du tout. Ils sont perdus, ils ne savent plus avec qui ils vont. Et c'est valable surtout pour les maternelles. Ils sont perdus vraiment. Voilà. Nous souhaitons rester à la semaine de 4 jours parce qu'il nous semble que c'est ce qui correspond au mieux à la société. Nous, en ce qui nous concerne, on ne souhaite pas un retour à la semaine de 4 jours puisqu'on l'avait dénoncé. Elle nous avait été imposée par le ministère d'Arcos. Nous, ce qu'on souhaite, c'est réellement un changement dans les rythmes, mais qui soit concerté avec les différents partenaires, les élus locaux, les parents d'élèves, les enseignants, et puis avec les financements qui conviennent, puisque effectivement, là, les communes qui doivent rentrer pour la rentrée prochaine dans le dispositif des rythmes se heurtent aussi à un gros problème de financement et de recrutement de personnel formé et qualifié. Aujourd'hui, il faut remettre tout à plat. Revoir la réforme Payon, qui nous semble pas bonne, mais revoir aussi la réforme d'Arcos, parce que ce que l'on veut pour les élèves, c'est du mieux d'école, du plus d'école, mais aussi pour les personnels enseignants, compte tenu de la charge de travail qui est augmentée, c'est une réduction de notre temps de présence devant les élèves pour permettre de travailler en petits groupes, pour permettre de travailler autrement pour la réussite de tous les élèves. La Chambre de commerce et d'industrie d'Évreux a accueilli ce jeudi les 7e rencontres régionales de l'innovation. Conférences, tables rondes et speed meetings ont rythmé la journée. Un reportage de Pierre-Maël Delaubert. C'était l'endroit où il fallait être pour les entreprises innovantes ce jeudi. La Chambre de commerce et de l'industrie de l'Eure recevait entreprises, donneurs d'ordres et acteurs institutionnels pour les 7e rencontres régionales de l'innovation. Les sociétés en quête de compétences techniques, de financement ou de développement à l'international ont pu rencontrer en un même lieu les acteurs des filières innovantes. Nos partenaires financiers sont présents, notamment la BPI, mais aussi d'autres partenaires financiers, les expertises comptables, financières, mais ensuite après tout ce qui est communication, tout ce qui est après tous les laboratoires de recherche, les écoles de recherche, etc. Donc c'est vraiment un panel extrêmement large. Je considérais que c'est plus moi un guichet unique où on va pouvoir rencontrer différents intervenants et encore une fois, en une seule journée, on peut voir l'ensemble des partenaires au niveau régional qui vont pouvoir nous amener de l'aide dans nos entreprises. Conférences et mini-tables rondes ont rythmé la journée. Les acteurs ont également pu se rencontrer lors d'un speed meeting. Un bon moyen pour de jeunes chefs d'entreprise de se faire connaître. Eco-engineering à la base a été créé pour un projet innovant qui a donné lieu à plusieurs dépôts de brevets qui concerne l'amélioration des pratiques du tri sélectif par des modules de pré-collecte. Donc nous sommes issus d'un incubateur et donc nous avons également une stratégie de propriété industrielle avec des dépôts réguliers d'enveloppes solo, des dépôts de brevets, des dépôts de marques. La société devrait prendre possession de ses locaux en Seine-Maritime dans quelques semaines. Elle a fait le déplacement aux rencontres régionales de l'innovation pour chercher des clients, des partenaires financiers, mais pas seulement. Pour notre part, on le dit jamais assez, on est des techniciens, on va dire. Et donc la partie commerciale n'est pas forcément toujours très bien maîtrisée. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles, oui, on cherche toujours de l'appui. Et éventuellement aussi sur la partie financière, puisque c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Ces rencontres régionales étaient organisées dans le cadre de la semaine de l'innovation en Haute-Normandie du mardi 12 au mardi 19 novembre. Pour connaître les autres événements, rendez-vous sur le site internet scenari.fr.
Les singeries du jeudi sont de retour au Muséum de Rouen, l'occasion pour les étudiants de s'approprier les lieux de manière ludique. Ce soir, ils sont invités à participer à une grande enquête, élucider le meurtre du directeur du musée. Mathilde Déniel, en charge de la communication du muséum, nous en dit plus sur cette investigation. Ce sont des soirées qu'on organise depuis 4 années maintenant, qu'on organise pour développer notre public étudiant, et c'est des soirées qui marchent fort. Là, c'est dans le cadre de la semaine des Azimuts, la semaine dédiée aux étudiants, donc organisée par la ville de Rouen. Et le 14 novembre, le directeur du muséum va être assassiné. Et donc on convie tout le monde à venir mener l'enquête au muséum. Ça va être le soir, ça démarre à 20h11, il y a un autre départ à 22h33. C'est le soir, donc le muséum devrait être dans l'obscurité. On vous conseille de peut-être amener une lampe de poche pour ne pas se perdre. Et voilà, donc il va y avoir toute l'équipe du muséum, hein, il va y avoir le taxidermiste, le gardien, le savant fou, le médecin, la femme libre pensante, et avec tous ces personnages, il va falloir trouver les indices et trouver le coupable. C'était l'info du jour de la rédaction de LCN. Je vous retrouve tout de suite avec Sylvain pour la deuxième partie de la quotidienne. Merci Stéphanie, j'adore. Vous nous avez donné l'actu du jour, les infos du jour avec la banane. Bon, cela dit, ça se prête pas toujours. Hein. La météo, question. Est-ce que c'est une météo comme ça ou est-ce que c'est une météo comme ça? En tout cas, c'est d'après ce que m'a dit Fanny juste avant l'émission, un match masculin-féminin. On voit ça tout de suite, un petit peu de pub. Et puis après, on revient avec vous avec le concours Pixel, photo, vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, voilà, on va vous dévoiler celui qui a... travailler, qui a peint, qui a élaboré ces superbes toiles qui ce soir habillent de manière très très décorative et avec beaucoup de couleurs le studio de LCN. Météo, pub et tout ça juste après. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinéa de Barentin, meubles et déco. Normandie. Grand débat de ces dernières années, sujet omniprésent dans les médias, au boulot, dans la vie privée. Le Festival Automne en Normandie en a même fait la thématique de son édition 2013 avec le masculin-féminin. Bref, l'égalité homme-femme, ça en est où? Et sans militantisme aucun, je me suis malgré tout demandé qui avait le pouvoir du côté de la pluie et du beau temps. Vous me direz ça part mal, mais attendez de voir quand même. Alors, entendons-nous bien, la pluie, une averse, ok, mais un grain et un crachin et une évaporation. Une brise, une bourrasque, une rafale, mais un air, un courant, le mistral, bref, le vent. Une tempête, une tornade, mais un ouragan, un typhon et un cyclone. Allez, je vous l'accorde, un anticyclone. La foudre, un orage, un éclair, le tonnerre. Une chaleur, une température élevée, mais un froid de canard, un front chaud, mais aussi un front froid. La brume, mais alors là, attention, le brouillard, un ciel voilé, un nuage, un altostratus, un cirrocumulus, un cirrus, un cirrostratus, un cumulus et un cumulonimbus, ça calme, hein. Le soleil, ok, mais alors là, une magnifique lumière. Et pour finir, préparez-vous, la météo. En toute objectivité, la victoire est donc large. La Saint et la fête d'Albert, la durée d'ensoleillement. Une excellente soirée à vous, la Haute-Normandie. Votre magasin Alinéa de Barentin, meubles et déco, vous a présenté le flash météo.